Oh là là, ça rappelle le bras. Tu te souviens le bras? Ouais, ouais. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors attention, aujourd'hui, vidéo très spéciale. Peut-être que vous venez de chez mon fils, Isma la Brigade, puisqu'on a sorti une vidéo en même temps, le même jour, à la même heure, afin de se faire un petit battle de snacks. On a choisi un thème, snack de la street. Lui m'a emmené dans un snack de son choix, moi là je l'emmène dans un snack de mon choix. À vous de dire dans les commentaires, c'est à la bonne franquette, hein, lequel vous préférez, vers lequel vous avez envie d'aller. Là attention, on a dit snack de la street, je fais vraiment snack de la street. Là on est à Aulnay-sous-Bois, je vais le retrouver et je vais lui dévoiler et vous dévoiler aussi où on va, c'est parti. Oh là 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 là, bonjour. Comment ça va? Ah ça va et toi? Bien. Ah là là. Destination snack de la street. Snack de la street, vous avez peut-être vu la première partie, la vidéo sur la chaîne d'Isma si ce n'est pas le cas. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et à la fin, allez voir la vidéo avec Isma. Ou alors mettez sur pause, allez voir avec Isma et revenez, on a sorti chacun une vidéo tous les deux ensemble, le même jour à la même heure. Incroyable. C'est incroyable ça. Et on verra entre les deux qui sera le meilleur snack. Ouais, alors on a fait le thème snack de la street, moi je te promets, je sais pas si c'est snack mais en tout cas c'est street. Hein. Aïe, aïe, aïe. En plus il fait pas très beau aujourd'hui et je croyais qu'il n'y a pas d'intérieur. C'est un food truck ça. Ouais, je crois que c'est plus food truck. Aïe, aïe, aïe. En plein milieu de la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois. Oh là 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 là. On a dit street ou pas? Là c'est beau. Bah oui. Sur street t'as gagné, on va voir si sur snack t'as gagné. Et le gars ça a l'air d'être un phénomène en plus. Hein. Ouais. Il fait des pizzas, des gratins. Franchement, bon, on va taper l'adresse, on va y aller. Je range ta caméra, frère, tu veux qu'on se fasse caillasser ou quoi? Bah, arrête. On passe pour des journalistes. Bah. Je suis en flow, mais ouais, j'étais là. Range le micro, oh, c'est news. J'ai rien à voir, les gars, moi, les gars, ensemble, les gars. Ah là là, mon fils. Incroyable. Ah là là. On est là, cité des 3000, elle a un autre nom aussi. Hein. Donc, attention, hein, faut pas confondre. Au début, je confondais avec la Courneuve, mais la Courneuve, c'est les 4000. Ouais. Là, ici, c'est les 3000. C'est 3000, mais bien ici. Il est où le camion, on a vu par là-bas? Juste là. Allez, vas-y, go. Pas très loin de Sevran-Bedotte. Ouais, là. Ouais, c'est ça, ouais. Là, on est en plein 93. Ah ouais. En tout cas, sur la street, t'as déjà gagné. Bonjour, pardon, bonsoir. Au cœur de la cité. Eh, hey, comment ça va? Oh là 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 là, pizza. Comment tu vas? Ça va comme un lundi, hein. Eh ben, enchanté. Merci. Ah, ça fait plaisir, avec le beau temps, là, t'as vu? Vous êtes chez vous. Ah bah merci beaucoup. Vous êtes chez vous, hein. Là, on est bon. Là, on est bon. Là, c'est de la bonne surprise. Ah, t'es au cœur, en plus. En plus, ça fait longtemps que je dois venir. Exactement. Ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, je t'ai dit, pour pas que j'oublie, renvoie-moi un mail, toi tu m'as fait. Ça, c'est mais attends, j'ai pas de mail, moi, on est à la cité des 3000 ici. Moi, je connais pas. Je dois t'envoyer un mail, je t'envoie un numéro, je suis pas branché, moi. Je suis en retard dans ces trucs-là. C'est vous êtes dans le futur, moi, je suis encore dans le passé, t'as vu. Toi, ton prénom, c'est? Moi, c'est Jeannot. Tartare. Jeannot Tartare, c'est comme ça que ça s'appelle aussi le food truck. Exactement, pizza Jeannot Tartare, depuis un moment, ça fait 4 ans, on est là. Ok. Et toi, t'es un gars du quartier de base? Ouais, de base, je suis un mec de la cité des 3000, j'ai grandi ici, ma famille, elle est toujours ici, on a un pied à terre. J'habite aussi au 3000. Ça veut dire, en gros, j'ai grandi ici. Maintenant, je suis pour la nouvelle génération, les familles. On essaie de leur amener du nouveau pour pas cher. Toi ton truc, t'avais vraiment envie de créer un commerce ici, ah, en ouais, plein ouais, cœur de là où t'as vécu. Moi, c'était important pour moi de créer un commerce là où j'habite parce que déjà, ça fait partie du développement. En même temps, on s'occupe de la nouvelle génération, des familles. Tu vois, on se met vraiment en avant pour eux et à des bas prix. Ah, c'était pour toi les 4? Oui. Incroyable, on s'était émerveillé pour l'autre pizza à 10 euros. Là, je vois les prix, elles sont à 6 euros tes pizzas. Non, 6 euros. Ah, c'est fait de bois ou pas? Au gaz. Mais quand même, 6 euros, c'est incroyable. Ah ouais, grave, hein, eh, franchement. Tiens, regarde, t'as plusieurs choix là. Wow. Attends, c'est pizza du monsieur. C'est pizza du monsieur. pardon. Il est là et c'est, c'est pas un modèle d'exposition. C'est ça la cité en vérité, c'est ça la cité, tu vois. Écoutez, c'est normal. Avec plaisir. Oh, je partage tout. Montrez, y'a pas de soucis. Et c'est vraiment 24 euros. Tiens, 4 pizzas. Et du coup, tu viens souvent ici? Oui, souvent. Et là, c'est Pantin qui vient de commander tout ça en plus. Ah ouais? Oui. Ça part même la ville à côté. En fait, t'as vu que j'ai grandi ici, et je voulais toujours avoir un commerce à proximité de mon domicile. T'as vu, c'est le quartier, c'est un peu difficile avec les locaux d'en avoir. Donc, je me suis débrouillé par mes propres moyens. Donc, t'as réussi à avoir un emplacement ici. Voilà, j'ai eu un emplacement, on m'a accepté. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis là. Mais alors, à la base, t'étais dans la restauration déjà ou pas du tout? Non, du tout. Moi, de base, j'étais chauffeur taxi. Et entre temps, en même temps que j'étais chauffeur taxi, j'avais fait de la restauration, mais j'étais plus investisseur qu'autre chose. J'avais pas bien mis la main à la patte bien comme il faut, comme aujourd'hui. Regarde, t'as même le transistor à l'ancienne pour t'ambiancer quand tu travailles. Ouais.
Ah ouais, celui-là, il date, hein. Toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 40 ans. 40 ans. 40 ans que je vis ici. Mes parents, ils sont là depuis. Donc, 69. Tu connais tout le monde ici. Oh, franchement, Jeannot Tartare, Troikus, Olnessou. Je pense qu'il faut être un grand cuisinier pour faire des bonnes pizzas, etc. Mais dans ces endroits-là, c'est pas que. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de chat, il faut savoir parler, etc. Exactement. Dans chaque quartier, je pense, de France, il y a toujours un petit foot truck comme celui-ci. On peut parler de foot, on peut parler de politique. On y va pour passer un moment avec le gars, pas juste pour manger. Il y a cet échange ici qui est important et tout, parce que tu as vu, quand tu es de la cité, bah, quand tu es bien vu et que ça se passe bien, bah, les gens, ils aiment bien discuter avec toi, ils aiment bien échanger avec toi. Ouais, Jeannot, je te disais, le patron, au lieu de finir à 18h, on m'a dit je finis à 17h. Ouais, c'est un grand malade. Ça, c'est les vraies ambiances. C'est comme ça, les amis. Il a bien fait. Tu dis que Isma il avait un snack aussi. Il connaît. Lui il est à Sartrouville, cité des Indes. J'ai eu ici, j'ai fait ça, j'étais au sport, j'ai fait ci. Non, après c'est des bonnes échanges. C'est la cité. La cité c'est grave important parce qu'en vérité, c'est là où tu te retrouves. C'est international. Mm. C'est pas national, c'est international. Tu trouves vraiment avec toutes sortes de générations, toutes sortes de couleurs, toutes sortes de façons de voir les choses. T'as vu quand même, on est à la cité des 3000. Cité des 3000, quand tu regardes la carte de la France, c'est vraiment le tout bas, la France d'en bas, tu vois. Mais quand tu sais que tu as envie de développer dans un quartier, ben ça fait grave plaisir, ça change. Cette pièce d'un euro vient de revenir dans mes mains, pourquoi? Ben c'est un crédit que j'avais fait d'une canette. Il a payé la canette, tu vois. Il est revenu exprès pour donner. Pour donner un euro, sans me demander, je veux autre chose. Ouais. En même temps, il te donne de la force aussi, tu vois, parce que je vais pas te mentir, quand tu fais une pizza et que t'as quelqu'un qui vient vers toi et qu'en même temps il consomme une pizza et qu'il la trouve bonne, c'est kiffant. Ah ouais, c'est comme les applaudissements du public. C'est un kiff, c'est un kiff. Franchement, c'est une réussite comme pas possible. Quand tu sais que tu fais des pizzas, tu débats, tu les remplis et tous les soirs tu les finis avant de rentrer chez toi, t'es content. Je suis arrivé avec une pâte normale et avec le temps, j'ai bouquiné. J'ai pas voyagé en Italie, mais j'ai beaucoup bouquiné et ça a fait en sorte de réaliser mon rêve, quoi. J'arrive à avoir une pâte aujourd'hui avec succès. Tu t'es entraîné pour faire la pâte toi-même et tout. Moi, quand je fais ma pâte, je lui donne de l'amour. Quand je me pose la farine, je parle avec elle. Après, je lui mets de la lumière. Tu lui dis quoi? Je discute, j'échange. C'est télépathie. Je ressens qu'elle a envie de moi et moi, j'ai envie d'elle. Ça veut dire, t'as vu, après, je la fournis, je lui mets un peu d'eau. Elle commence à se mélanger et j'attends qu'elle devienne bien libre. Et ainsi de suite, je rajoute mes ingrédients. Et non, franchement, c'est de l'amour, c'est comme une plante. La pâte, c'est comme une plante, ça se parle, tu sais, ça se discute. Ah ouais. Si aujourd'hui tu me demandes c'est quoi mon protocole ou ma recette, je ne l'ai pas sur le bout de papier, c'est tout est dans ma tête. Et en fait, c'est à vue d'œil. Je sais m'y faire à vue d'œil. Eh, il est excellent. Mais il est excellent. Mais en fait, ce qui est juste incroyable, c'est une pizza à 6 euros dans les grandes surfaces. Même les congelés, maintenant, elles sont à 4, 3,50, 4,50, 5 euros. Le mec, il te les fait sur plasta et sûrement avec certains produits frais et tout, à seulement 6 euros. Tu mises sur le volume. Mon but à moi, c'était plus du débit. Si je fais du débit, je vais m'en sortir. Mais si je fais pas de débit, je vais avoir du mal à m'en sortir. Je vais être juste, tu vois. Et alors là, en plus, attention, l'enjeu est de taille. C'est qu'on se fait un petit battle avec mon pote Isma. D'accord. Donc lui, il m'a emmené dans un snack de la street, très sympa. Et là, du coup, moi, c'est à mon tour. Fais bien. On va te donner de la frappe du 3xF, mon ref. Ça va tourner. Tu vas me dire, mais c'est quoi ça? T'inquiète, il y a du F aussi. T'inquiète pas, mon ref. C'est de la frappe de Guedin. C'est même pas la peine qu'on mange. Isma, c'est bon. J'ai gagné rien qu'avec le personnage. C'est bon. Snack de la street, on y est. Après, on fait confiance. Mais bon, on va manger quand même pour vérifier quand même. Hein, Isma. Pour la vidéo, on va manger quand même. Vraiment juste pour la vidéo. On va leur donner de l'amour. Je vais vous remontrer ce que j'ai dans le cœur. C'est bonne pioche, ça. J'aime. Mais j'ai adoré les gars de ta vidéo aussi. Hein. Allez voir la vidéo d'Isma aussi. Hein, parce qu'on est tombé sur des gars trop cool. On coupe. Ouais. Oh là là. Regarde la belle croûte là. Oh, regarde comment c'est cheesy. Oh là là. Ah, il s'est pas moqué de nous. Jeannot. Ah bah là il a dit, mais même dans la croûte. Bismillah. Ah, c'est bien chaud. Ça brûle pas, hein. T'arraches pas le palais. Vraiment, ça, juste la pâte déjà est très très bonne. Elle est un peu trop cuite, mais moi j'aime bien parce que ça apporte un petit côté croustillant. Franchement c'est ouais, c'est blindé de fromage. Jeannot, la vérité, tu mets toujours autant de fromage. Ouais, tu vas voir. Jeannot. Moi de base, nous on a eu l'habitude d'avoir des pizzas à 5 euros, 6 euros, mais elle était vide. T'avais beaucoup d'ingrédients autour. Exactement. Et à l'extérieur, t'avais rien du tout. Moi ça m'a saoulé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le paquet J'ai mis le paquet directement sur 6 euros en me disant je vais la servir comme si t'as eu quand t'as acheté 12 euros une achetée, une offerte, mais je vais rester dans une pizza garnie. Non, voilà, elles sont très bonnes. Félicitations, mon frère. Ça se voit, elles ont une bonne tête. Ça, elles sont vraiment bonnes. Quand j'ai vu Jeannot rigoler, etc., je me suis dit que peut-être la pizza sera pas, tu vois, que le côté chaleureux de la personne, elle va remplacer peut-être le goût de la pizza. Mais pas du tout. Mais là c'est la totale, c'est le combo parfait. C'est super bon. Les deux vont ensemble. Tu vois, les trois, même avec le prix. Exactement. Ouais, le prix, la bonne humeur et la qualité. En mode.
marocaine, tu prends avec tes trois doigts comme ça là. Ah ouais. Oh, la tajidza. Ah ouais, là tu mets de la raclette. Tranche de poulet. Ah c'est poulet. Et lardon. Poulet fumé, lardon. Tu la refermes la calzone d'Isma. Elle a combien la calzone? 6 euros. 6 euros aussi. 6 euros aussi. Ça me rappelle les prix de quand j'ai commencé en 2016, les vidéos. Ah, il y en a plus beaucoup des si peu chers. Non, déjà pour l'époque c'était pas cher déjà. Mais alors là, en 2024. Moi c'est de la pâte fraîche, le pétrin elle est là, je fais mes pâtes tout le temps. Là il manquait un petit pinceau de jaune d'œuf par-dessus le calzone. Bien joué. Attends, on peut faire ça. T'inquiète. Tout est possible ici chez Jeannot. Ça, c'est capital. Là, ce qu'on va faire. Regarde ça. Oh là là. Pas besoin de pinceau ici. Voilà. C'est les 3000. Eh ouais, les 3 cusses mon gars. Ah ouais Flo, t'es posé tout en mode c'est toi le boss hein. Il m'a laissé le petit tabouret pour manger. Moi je suis là tranquille, regarde celle-ci là. Oh là 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 là. Oh ouais. Ah c'est vrai que la pâte elle est au top hein. Ah c'est bien blandé de fromage. Hein. Et Isma il se rajoute son propre supplément miel. Ah c'est la fafa. Ah là là. Mets-moi un petit peu d'olive ici s'il te plaît par-dessus. Ah, non, mais regarde oh ça. Là là là. Jeannot il veut qu'on soit heureux. Ah, c'est ouais. La famille voilà. Là avec le miel t'en as un super Ça voilà t'es rentré dans mon cœur. Merci. Ça je vais vous faire enrouler avec des bonnes merguez. Aïe. Du poivron et la petite touche de d'olive. Oh regarde ça il enroule. Il nous a fait sous toutes les formes. Regarde, il met la sauce tomate par-dessus. Il va mettre John Duff, tu penses pas dessus. Ah, je sais pas, peut-être. Peut-être pas sur celle-là. Ça marche pas à tous les coups, le John Duff, Isma. Il te met le fromage, la sauce tomate. Oh, on se crède un peu. Hein. Et la calzone, là, regarde-moi ça. Avec l'œuf dessus. Oh là là. Oh là là. Tu te souviens, le bras? Ouais, exactement. Quand on avait fait, là, la porte de Pantin. Wesh. Il est immense. Ah ouais, ça a bien gonflé. Hein. Là, franchement, il n'y a pas de regret. Avec l'œuf d'Isma là. Oh, ouais. Le coup de pinceau. Ouais. Bien étalé à la main là. Franchement, c'est trop bon. Oh là là, la roulette. Celle-là, elle est bonne, mais c'est celle que j'apprécie moins. C'est trop quoi de goût, trop de merguez, trop de. Ah ouais, ah oui, et c'est en même temps, je commence à te caler un petit peu. C'est celle-là où t'as mis steak et merguez là. Non, chica merguez. Chica merguez, ah ouais. Tu regardes juste l'écran, tu vois que c'est une vidéo strict. C'est bon, incroyable. Ah, la machine à café, elle est dehors. Regarde ça, chocolat, avec amour. Café. Chocolat aussi. Oh là là. Pour les longues soirées d'hiver. Exactement. Eh, hey, mais Jeannot, hey, franchement, super rencontre, ça fait trop plaisir. Bah, moi aussi. Franchement, c'est un vrai bonheur aujourd'hui de vous avoir connu et vous avoir vu. Si vous cherchez dans la cité, c'est 14 rue Edgar Degas, 93-600 Aulnay-sous-Bois. Exactement. Bon, bah, force à toi et puis merci. Hein. Merci à vous surtout et merci à vous les abonnés. Continuez, ne lâchez pas. Sans vous, on n'est rien. Mais vu que vous êtes là, on est quelque chose. Merci beaucoup. Bang, bang. Ah là là. Et franchement, mais quelle rencontre. Franchement. Alors allez voir la vidéo d'Isma sur sa chaîne. On a dit à la base c'est un battle, mais c'est un battle à la bonne franquette. Ouais, ils sont tous différents, ils sont tous de la street, mais ils sont tous bonne vibe, c'est tous des bosseurs. C'est vrai hein. Aussi bien ceux sur ta chaîne que là, lui sur ma chaîne. Ouais, bien sûr. C'est des vrais trucs. Après c'est vrai que moi c'est encore plus de la street parce que la voiture de la street, il y a plus de batterie. Et je vous promets que c'est vrai, ces pizzas elles sont bonnes. Ouais. C'est pas des pizzas un peu italiennes, un truc de ouf. Non. Mais franchement, elles sont bonnes. Très bonnes, bonne ambiance. Moi, j'habiterais en haut, bah, je descendrais, je me leur montrais, hop, bien au chaud. Parce que c'est pas méchant, mais je l'ai un peu jugé au début. Tu vois, quand on s'est mis à parler, etc., je me suis dit peut-être c'est le. Et en fait, ça, c'était super bon, franchement. Vraiment, j'étais surpris. Et je l'ai kiffé de ouf. Alors, dites-nous, regardez les deux vidéos, dites-nous ce que vous préférez. C'est vraiment un battle à la bonne franquette. Ouais. Le but, c'était de passer un bon moment et surtout qu'on sorte une vidéo tous les deux. À la même heure, le même jour, en même temps. La vidéo est sur la chaîne d'Isma la Brigade. Bang bang. Et bah là vous l'avez vu déjà la mienne normalement, sauf si vous êtes directement à la fin. Sinon si vous êtes venu directement à la fin, revenez rembobiner. Et abonnez-vous et mettez des j'aime. Comme il a dit lui. Petit pouce vers le haut. Oh, si vous avez kiffé la vidéo. Oh, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honneur. Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est Florian Honneur. Ciao ciao.